Aujourd'hui, c'est lundi. Régis et Olivier partent en ski de rando. On va monter au sommet de la Lande. On n'est pas vu, je l'ai fait hier, ouais, c'est... Pas peur, les gars. Il neige, la burle est annoncée. Mais d'abord, Olivier, c'est quoi la burle? Ben, la burle, c'est le vent qui soulève la neige, qui fait des nuages de neige et qui forme les congères. Les gens d'ici emploient le même mot si c'est vent du sud ou vent du nord, vent de l'ouest qu'ils appellent la traverse. La burle, tout le monde sait ce que c'est ici. D'accord, mais où est le plaisir à faire une activité dehors s'il fait pas beau? Qu'est-ce que vous recherchez? Les gens aiment bien sortir avec la neige ici, dans les éléments un peu difficiles. C'est vraiment différent. Moi, j'aime bien skier avec la neige aussi. Skier avec un peu de burle, un peu, tu vois, des conditions difficiles, du froid. Sortir, aller randonner, tu vois, autre chose. C'est pas la même chose. Il faut aimer affronter la burle. Il faut aimer les obstacles. Ça a du caractère. Ici, on est habitué, mais bon, il vaut mieux connaître bien le terrain. Direction le sommet du Mézin, mais vous n'êtes pas les seuls à sortir par ce temps. Vous allez où? On monte vers Copernac. Copernas? Copernas, ouais. Donc, oui, donc vous allez aller à Croix-de-Boutière, après à Fontès, col de la Clède. Vous faites la traversée des monts de l'Ardèche, oui, intégrale. Oui, oui. Mais ce soir, vous dormez où, du coup? À Villevieille. À Villevieille, ouais. Chez Jarlu. C'est un vrai montagnard, lui aussi. Hein. Les Hautes-Alpes, top 4. Ce sont des gens qui en sont à leur 10e Laponie, là. Donc là, on repart bientôt, là, au mois de mars. S'ils résistent là, ils sont bons pour là-bas. Non, et quand t'as la burle dans le cul... C'est là-bas qu'on se prépare. Voilà. À nous tous, on a plus de 700 ans, je crois, on a fait le calcul. Vous comprenez pourquoi le régime des retraites est en déficit? Alors là, on est presque sur le plateau, sommital. Ça fait un petit plateau entre les deux sommets. Bon, on va monter à la table d'orientation, alors, mais ça va souffler. Ça souffle pas tant que ça. Non, ouais, ça souffle pas. À vous voir vous faire plaisir, je commence à comprendre. Le climat parfois rude n'est pas une contrainte, mais un fait dont chacun s'accommode. Mais quel rôle joue-t-il dans l'esprit du plateau? Quand ils aiment les gens, ils aiment vraiment, quoi, ici, tu vois. C'est on ou off, quoi. Ou t'aimes pas, parce que t'aimes pas la burle, t'aimes pas le plateau, les conditions, machin, que là, la route se ferme vite, tu dois te galérer un peu, ou t'aimes vraiment, quoi. Parce que t'es rentré dans le truc, quoi, t'as compris l'âme du plateau, les gens, ouais, t'as compris le lien, quoi, qui unit tout ça.